Maman. Allô? Hé, mon cœur. Que se passe-t-il? Tu ne m'as pas appelé ni parlé aujourd'hui. Tu as dû être occupée. Non, maman. Ce n'est pas du tout ça. C'est seulement que... Aditya est là? Il est revenu. Vidya? Ça ne va pas, ma chérie? Non, maman. Ce n'est rien. Je suis ta maman. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, maman. Ce n'est rien, je t'assure. Est-ce qu'Abhishek va bien? Oui. Vidya? Allô, Vidya? Qu'y a-t-il, ma fille? Dis-le-moi. Maman. Maman, Aditya m'a trompée, maman. Et dépêche-toi. Namasté, madame. Namasté. Allez, venez, c'est l'heure de l'école. Au revoir, papa. Au revoir, mon fils. Combien de jours dois-je les emmener à l'école? Juste aujourd'hui. Demain, je les accompagnerai. Très bien. Venez. Au revoir, Abby. Va. Allons. Vidya, je ne savais rien de tout ça. Anuradha et moi ne sommes pas restés en contact ces 5 dernières années. Et puis soudainement... Oui, je sais très bien que j'ai commis une très grosse erreur. Vidya, tu peux me punir de la manière dont tu veux. Mais s'il te plaît, ne m'humilie pas, Vidya. Je t'en prie, dis quelque chose. Et je suis vraiment prêt à faire tout ce que tu veux que je fasse. Mais ne me traite pas ainsi. Vidya. Vidya, écoute. Écoute-moi, Vidya. Écoute-moi un peu, Vidya. Vidya. Je t'en prie, ne me fais pas ça, Vidya. Vidya. Mais parle-moi. Vidya. Vidya. Je ne pourrai jamais te le pardonner, Aditya. Mais je pourrai certainement peut-être ne pas quitter ta maison. Mais réponds seulement à une unique question, veux-tu? Tout ça, c'est passé avant notre mariage? Ou bien après? Après. Aditya, comment as-tu pu me faire ça? Non, Vidya. Tu ne peux punir toute ta famille pour l'erreur que j'ai moi commise. Je sais que j'ai fait cette erreur. C'est à moi d'être puni pour non, ça. Non, ne me touche pas! Ne me touche surtout pas! Vidya!
Mais calme-toi. Reprends-toi, allez. Mon frère, comment est-ce que tu as pu faire ça? Pourquoi lui avoir fait ça? À toi-même? À notre famille? Je sais bien que j'ai commis une très grave erreur. Mais très sincèrement, je me repens de tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas la peine. Car désormais, ma fille ne restera plus ici. Papa! Tu as laissé ta famille pour cet homme-là. Il a trahi ta confiance. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. Ton père est toujours vivant. Mon oncle... Dis plus rien. Je vais aller t'attendre en bas, Vidya. Et fais vite. Juste une minute. Kiran! 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 Peux-tu me dire où tu étais ce matin? Vidya? Maman! Que se passe-t-il, chérie? Mais est-ce que tout va bien? Je suis allée pour tout régler. Pour le restant de ces jours. Que veux-tu dire? Je l'ai enfin tiré de ce petit appartement. Cet homme et cet endroit sont trop bas pour nous. Elle habitera ici. Elle vivra sa vie. Et elle vivra bien mieux. Tu es sérieux? Pourquoi as-tu pris une décision aussi drastique? As-tu une idée de ce qui s'est passé? Cet homme a un autre enfant avec une autre. Une petite fille. Pourquoi regardes-tu Vidya? Elle est elle-même complètement perdue, la pauvre. C'est pour ça que je l'ai ramenée. Je vais m'assurer que cet homme écœurant reste bien loin de ma fille. Et Abhishek? Bien sûr. Il restera avec sa maman. Mais enfin, Vidya. Décroche, allez! Décroche, allez! Décrochez, 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 allez!